maison d'identité. Je suis Lord Gadric Morcor. Je... Avez-vous un justificatif? Eh bien, attendez. Avant de vous lancer dans d'interminables explications vaines, laissez-moi vous dire que son excellence ne daigne recevoir personne à cette heure. Alors, si vous n'avez pas de justificatif, revenez demain matin en séance de doléances. Je suis Lord Gadric Morcor, Sarrère du Conseil des Vampires et seigneur à la cour de son Altesse impériale Lord Vladras d'Argentor, guerrier du Saint-Empire, maître des terres du Larenne, prince d'Algarad et vassal du Rouge. Oui, c'est bien. Je suis ravi pour vous. Mais... avez-vous un justificatif? C'est le symbole. Des protecteurs. Oui, je sais, je fais partie de cet ordre. Nos demandes sont formelles. Une faille va s'ouvrir dans la région. Et je peux vous avertir que, si je ne parle pas votre signe avant l'heure, les damnés envahiront cette ruine que vous appelez votre château et vous pendront par les tripes au-dessus de la grande porte. Monseigneur, Monseigneur, quelle honneur d'accueillir votre prestigieuse présence à notre modeste château. Son Excellence, Lord Hector Delton, se fera un plaisir, même un honneur de vous recevoir. Soyez le bienvenu. J'avais ordonné à ce que l'on ne me dérange plus dans la soirée. Monseigneur, ma visite est officielle. Je suis mandé par l'empereur en personne. Une faille va s'ouvrir. Et qu'y a-t-il encore? Nous pouvons donc être seuls un instant dans ce château. Madame, cet avorton vient nous déranger pour une histoire de faille. De faille? Mais quelle est donc cette absurdité? Les hommages de l'ordre ont assuré à son Altesse impériale que les failles ne s'ouvriront que dans le duché de Mastral, et nulle part ailleurs. Qui êtes-vous donc pour venir nous déranger si loin de la capitale? Madame, je suis Lord Gadric Morcor, je suis insensé de l'ordre, et je viens à votre fief pour vous avertir d'un danger, et vous ordonner de lever vos armées. Plaît-il? Vous venez pour une armée? Vous ne voulez pas non plus que l'on vous ouvre la salle des coffres? Monseigneur, écoutez-moi! Vous êtes assommant, Lord Morcor, vous l'a-t-on déjà dit. Quatre failles, vous entendez quatre? Nous avons du mal à retenir le peuple hors de portée des damnés. L'ordre ne cesse de se battre jour après jour, nuit après nuit. Nous n'avons jamais été aussi submergés depuis les 10 derniers siècles. Mais que voulez-vous que cela nous fasse? Les affaires de l'ordre me concernent. Nos demandes sont formelles, Lord Hector. Une faille va se produire dans la région, ce qui nous paraît très soudain. Et je suis là pour guider vos armées contre les damnés. Nous devons nous organiser avant qu'elles ne s'ouvrent complètement. Et il me faut le commandement de vos troupes. Sachez que même si je le voulais, je ne pourrais pas vous donner le commandement. Quelle raison, oui? Notre seigneurie, Lord Hector Deltombe, a envoyé ses troupes, et ce, sur mon bon conseil, à la rescousse de son allié, Lord Lecastre, au nord. Contre qui se bat la maison Lecastre pour solliciter votre aide? La question est plutôt contre quoi se bat-il? Les damnés? Impossible, la faille est encore fermée. Quoi qu'il en soit, vous n'aurez pas notre armée, puisqu'elle n'est pas au roc. Mais personne ne défend vos terres? Personne n'en veut à mes terres. Mais quand viendront les damnés? Les damnés sont au duché de Mastral, pas ici. Mais que vous ai-je dit? Une faille va s'ouvrir dans très peu de temps, proche du roc. Excellence! Mais qui y a-t-il encore? Un corbeau vient d'arriver de Rockmountain, de la main de l'ordre les quatre. Et que dit cette missive? De mauvaises nouvelles, madame. Je n'en veux pas. Soldat, donne-moi cette tête. Vous êtes? Un pleurnichard, venu voler l'or de son seigneur. Madame, avec tout le respect que je vous dois, je ne vous parlerai pas. Je suis insensé de l'ordre et je suis en mission pour l'Empire. Donne-moi cette lettre. Puis-je? Si ça lui fait plaisir. Mort, la mort est arrivée. Notre maison est tombée. Vos troupes sont détruites. Les damnés ne vont plus tarder à vous assiéger. Adieu. La situation est plus grave que je le pensais. La faille est déjà ouverte. Il se peut. Mais pourquoi est-ce si grave? En fait, vous tous devenus fous! Les Lancastres vous annoncent leur défaite face aux damnés et la mort de vos troupes. Les damnés sont sortis du bois et vous êtes là vous pavaner avec votre dame qui vous fait ingurgiter l'intégralité de votre garde. Depuis quand cette faille est-elle ouverte? Je ne sais pas. Mais vous rendez-vous compte que si l'on n'agit pas, la mort et la destruction de vos troupes
sont des faits réels. La mort est à notre porte, monseigneur. Eh bien, soit, si la mort doit vous prendre aujourd'hui, qu'il en soit ainsi. Pas trop d'espoir, Lord Galdric. Il se peut que tout soit déjà perdu. Cette femme est le diable incarné. Depuis combien de temps est-elle au château? Un mois ou plus. Elle s'est agrippée à notre seigneur dans l'heure. Elle vide les caisses et détruit nos terres par ses vices. Maudite soit-elle. Galdric Morcor. Vous êtes le fils de Lord Morcor qui possédait les terres d'Ariast à l'est. Effectivement, j'ai passé mon enfance dans ces lieux. D'où le fait que c'est moi que l'empereur ait mandé pour tenter de défendre ces lieux. Qu'allez-vous faire maintenant? Rentrer à Bois-Noir et revenir avec des renforts? Impossible. D'ici là, la faille sera trop ouverte pour être fermée. La situation nous échappe dangereusement et nous sommes devant le fait accompli. Y a-t-il une explication à une ouverture si soudaine d'une faille dans la région alors que les quatre autres sont rassemblés dans un même duché? Aucune, c'est bien ce qui m'inquiète. Je vais tenter un dernier coup, le dernier espoir. Qui est le mage du château? Malphisius, un jeune mage assez doué, mais on n'entend plus trop parler de lui en ce moment. Demandez au page, il devrait pouvoir le faire mander dans les plus brefs délais. Malphisius, le fils du druide Oswald? Oui. Fantastique, nous étions amis enfant. Lui aussi était dans l'ordre, avant qu'il ne quitte tout après la mort de son père. Depuis combien de temps est-il mage seigneurial? Depuis la mort de vieux Oswald. Bien, merci de tes services. Que vas-tu faire désormais? Que dois-je faire selon vous? Rassemble les hommes d'armes que tu trouves et forme une petite troupe, capable de se battre. Je vais plutôt descendre à la taverne. Si c'est vrai ce que vous dites, que nous allons tous mourir bientôt, autant passer mes derniers instants en compagnie de la pierre et des femmes. Qu'espérer d'un garde au service de Deltombe? Au fait, monseigneur, que comptez-vous faire pour la faille? Y aller accompagné du mieux que je peux, et la refermer avant qu'il ne soit trop tard. Page! Mon éminent seigneur, la maîtrise service, à me demander. Oui. J'aurais ravi de vous accomplir. Fais mander le mage Malphisius sur le champ, je le prie. Bien évidemment. Autre chose, monseigneur? Oui, y a-t-il une voyante en ville? Une saleté d'elfe. Soit dit voyante, effectivement. Où puis-je la trouver? Votre noblesse devrait éviter d'être mêlée à la bassesse de la ville sans. Je me fiche de ce que doit faire ma noblesse. Où est cette voyante? Dans la plus vieille maison de la ville basse, monseigneur. Double 106. Bien, merci. Monseigneur. Votre générosité n'a d'égal que votre grandeur, seigneur. N'oublie pas de faire prévenir Malphisius que je vais attendre dans les jardins des Galabas. Le temps change, et voilà que le ciel se couvre de sombres nuages d'orage. Le mal est de retour, et l'ordre s'avance. La faille est ouverte. Notre mission est salvatrice. Nous nous devons de protéger l'Empire au péril de notre vie. Quand tout va mal, tu reviens au pays. Malphisius, j'ai grand plaisir de te revoir. Moi aussi. Quand j'ai quitté l'Ordre, je ne pensais jamais revoir aucun de vous. La région est si tranquille. Plus pour longtemps. Oui. Malheureusement, la soudaineté de l'ouverture de la faille ne nous a pas permis de nous préparer. Attends. Tu savais qu'elle était ouverte? Mais bien sûr, depuis quelque temps. Et tu n'as pas songé à nous contacter? Si tu es ici, c'est grâce à ma lettre, non? Une lettre? Non, c'est l'ordre qui m'envoie. Nos devins ont ressenti une présence surnaturelle dans la région. Je pensais que le processus d'ouverture n'était pas encore engagé, mais en arrivant ici, j'ai appris que les Lycanthes étaient tombés, emportant dans leur chute notre seul moyen pour défendre le comté, l'armée de Deltombe. Alors ils ont perdu? Oui. Les aînés de votre route pour la faille, ils vont reprendre leur énergie et revenir à la charge ici pour assiéger la forteresse. C'est elle. Quoi? Qui? Lysiana. C'est par elle que passent toutes les lettres de la ville. Celle qui entre et celle qui sort. Et en particulier, celle qui s'adresse à la capitale. Elle a dû intercepter les missiles pour votre aide. Ton arrivée est miraculeuse. Le diable incarné, m'a-t-on dit. Mais dans quel but? Pourquoi se laisser assiéger par les damnés? Aucune idée. Elle est mal, c'est tout ce que je sais. Elle a notamment réussi à faire exécuter le vieil alchimiste. Mais personne n'a essayé de s'interposer entre elle et le pouvoir? Si. L'alchimiste. C'est pour ça que je me fais discret depuis quelque temps. Mais, attends. Pourquoi l'ordre n'est-il pas avec toi? Nos armées sont prises en astral.
Les villes de l'Est sont à deux doigts de tomber aux mains des damnés qui arrivent des failles par centaines. Nous sommes submergés. L'empereur m'a envoyé ici pour combattre les damnés de cette nouvelle faille avec l'armée de Deltombe. Malheureusement, elle n'est plus de ce monde. Mais comment nous y prendre? Nous ne sommes que deux. Il nous faut un devin. Le page m'a signalé la présence d'une voyante en ville. Oui, Kalia, je la connais. Elle est assez spéciale. Quoi qu'il en soit, on a besoin d'elle pour localiser la faille. Une fois cela fait, il faudrait la maintenir fermée le temps que je fasse venir des renforts de l'ordre. Il faut que l'on agisse avant la lune de Sénor. Car c'est à ce moment précis que les damnés reprendront leur force. Et une fois gavés d'énergie, il nous sera impossible de les arrêter. La lune de Sénor est pour demain soir. Il nous faut partir au matin. Concentrons-nous sur Kalia. Elle habite le Clos Sanctis, selon le page, dans la ville basse. Le Clos Sanctis, tu es sûr? Oui, pourquoi? Parce que c'est une très mauvaise nouvelle. Pourquoi c'est une si mauvaise nouvelle? Ce domaine renferme de lourds secrets. Il y a quelques siècles, deux vampires qui voient un talon ont tenté d'invoquer la faille en ce lieu. Le jour où ils ont jugé bon d'exécuter le rituel, la maison a pris feu et leurs cendres se sont répandues par-delà les murs. Depuis, on a rapidement constaté que tous ceux qui y ont vécu périssent un jour ou l'autre par les flammes. Tout le monde périra un jour ou l'autre. C'est ici. Tu sens cette odeur? De la poussière? Non. Une odeur de cendre. Malficius, ton aura irradie la pièce. Ah, je vois que tu es accompagné de la plus repoussante noblesse du continent. Kalia, tu as changé. Je t'ai connu moins sombre auparavant. Ce sont les temps qui changent. Mes visions se brouillent. Je ne vois plus rien en les pierres. Le mal a déjà contaminé le monde. Et ce ne sont pas les vampires qui changeront quelque chose. La faille. Vous êtes au courant pour la faille qui sévit dans la région? Oui, je la sens. Elle s'agrandit de jour en jour. Loin des autres qui, elles, sont amastrales. Elle est plus sombre, plus maudite, plus dangereuse que celle que l'ordre a l'habitude de connaître. Que voulez-vous dire? Que nous sommes perdus, très cher seigneur. Et ce n'est pas votre puissance qui changera quelque chose. Kalia, nous sommes venus demander ton aide. Tu plaisantes? Pourquoi je t'aiderai, toi et ton ami esclavagiste? Allez maintenant, sortez d'ici avant qu'il ne soit trop tard. Cet endroit n'est pas fait pour de frêles esprits tels que les vôtres. Pourquoi le Clos-Sanctis, Kalia? Comme je l'ai dit, mes visions se brouillent. Nos esprits sont torturés par la proximité des failles. Il n'y a qu'en ce lieu, directement relié à la puissance du mal, que j'arrive à me concentrer sur ce qu'il se passe dans les cavernes de Doliris. Savoir si je peux encore sauver ma peau. Les cavernes d'Oliris? Dans la Terre Sud? Ah, effectivement. Je vois que son excellence connaît la région. C'est là que se trouve la faille. Très belle déduction, Malficius. Bon, vous avez vos informations. Maintenant, partez. Avant d'être contaminé par l'esprit des Sanctis. Kalia, nous avons besoin de vous pour pouvoir voir la faille. Je suis persuadé que vous connaissez le processus et vous savez que nous nous devons d'être accompagnés d'un devin. Non, partez courir la mort. Moi, je reste ici. Kalia, au nom de notre amitié, viens en aide au monde. Enfin, nous rêvions de sauver l'Empire. Chacun a suivi son chemin. Maintenant, laissez-moi en paix. Kalia, venez avec nous. L'Empire s'en souviendra. Il y a des elfes au palais. Vous aurez votre place. Ah oui, des elfes corrompus, des elfes noircis jusqu'à la moelle. Je ne veux pas de ce mérite. Kalia, ta sœur nous aurait aidé, elle. J'en suis persuadé. Et si elle était encore là aujourd'hui, vous seriez toutes deux venues à l'aventure avec nous. Le sorcier. Sauver le monde, refermer la faille. Bon sang, c'est une occasion en or de prouver nos capacités. La voyante. Je suis compétente pour cela, Kalia, je le sais. Le mage. Malficius. Kalia, tu ne peux plus refuser l'appel du destin. Ta famille le respecte depuis des générations. Les cartes ont parlé, même si cela va à l'encontre de ta nouvelle couardise. Il est dans nos destins d'œuvrer ensemble pour tenter de sauver l'Empire. Je vous suis. La lune de Sénor est pour demain soir. Il faut y être avant. Rejoignez-moi dans l'impasse sud demain matin à la première heure. Et tâchez d'être à l'heure. Le temps va nous manquer.
Effectivement, les cartes ont parlé. Les cavernes d'Oliris sont encore loin? Elles se trouvent après le bois qui borde le roc. C'est un endroit mystique, chargé d'histoire celtique. La présence de cette faille est une anomalie. Cela m'inquiète au plus haut point. Kalia, tu veux quelque chose dans tes pierres sur cette faille? Allez, marchez! Les cavernes sont trop loin pour perdre notre temps! Charmante. Nous y sommes. Une aura maléfique habite ce lieu. Il est vrai que quelque chose y a changé. Avant, je venais prier les anciens dieux avec mon père. Mais désormais, le mal a contaminé la roche. Kalia? C'est ici. Le malheur et le mal habitent ces lieux. Je ressens le mal. Elle va les mener à la victoire. Les jeux sont faits. Ne gâchez pas votre énergie. Vous n'avez jamais vu de faille, Galdric? Jamais aussi large. Habituellement, on ne ressent que de fins traits de brume qui se dressent vers le ciel. Celle-ci est plus maudite, plus dangereuse. Vous avez l'intention de partir, messieurs? Non, Galdric, il faut la refermer. Vous êtes avec moi? Galdric, Malficius, reculez! Malficius! Kalia. La déesse des enfers, la main armée du feu, la reine de l'ombre. J'ai passé plus d'un millénaire à préparer cet ultime avènement. Tous les 300 ans, les failles s'ouvraient et mon pouvoir ne cessait de s'accroître. Oh, les sorciers étaient bien occupés à leur orgueil pour voir infiltrer en moi toute la puissance. J'ai cherché pendant un siècle la source de la magie. Magie dont ma nature humaine me privait. Refoulée dans ce monde où l'on ne peut être que l'esclave à la solde de ces monstres. J'ai cherché et j'ai trouvé. Jamais dans l'Empire. Nul n'a mis la main dessus, mais moi, oui, je l'ai trouvé. Ma persévérance a payé. J'ai trouvé la source de la magie
Et pendant plus d'un siècle, je l'ai utilisée, exploitée, afin de l'assimiler et la servir complètement. Ma puissance aujourd'hui dépasse celle de tous les archimages de l'Empire. Et aujourd'hui, je vais vous offrir ce pouvoir. Venez, mes amis, venez. Je vais vous donner cette ultime et légère volupté de puissance. Vous en avez ici suffisamment pour survivre, mais si vous me suivez jusqu'au château de Deltombe, là où se trouve la source, vous aurez un pouvoir immense. Et le monde entier déploiera le genou à terre devant toute cette puissance. Venez, venez mes amis, je vais vous aider à assimiler ce pouvoir. Venez, venez avec moi au château de Deltombe et ensemble, ensemble, nous détruirons ce monde de sorcellerie. Et ensemble, nous construirons un nouveau monde, un monde de paix, de civilité et d'humanité. Venez avec moi au château de Deltombe et je vous offrirai cette arme, la plus puissante de toutes. Que le règne de l'ombre commence! Cette humaine est corrompue. Il faut absolument que j'écrive un ordre. L'empereur, la situation est critique. Hors de question. Aucun message ne sera accepté. Il faut qu'on atteigne le roche avant qu'elle ne puisse conjurer les damnés, le collier et la source de la magie. Le temps nous est compté. Au château de Deltombe. J'ai encore une affaire à régler. Ah, mon petit seigneur préféré, vous alliez avec la vermine maintenant ? Malficius. Ton père a été coriace à tuer, mais je pense qu'avec un novice, j'aurai beaucoup plus de facilité. Prenez le collier. Elle a tué mon père. Elle a détruit ma vie. Laissez-la moi. Oh, le novice se rebelle. Malficius! Ah!
Qu'il en soit ainsi. La maison d'Eltombe tomba, suivie des bagnards, des trédormes. Ils tombèrent tous les uns après les autres, face au mal submergent. La reine de l'ombre ouvrit par la suite d'autres failles pour compléter son armée de damnés. Et quand son ombre meurtrière frôla les portes de Bois Noir, la capitale impériale, elle était escortée par plusieurs millions de ses sbires. La source de la magie leur avait donné une apparence normale. Ils inspiraient presque confiance, en dépit d'aucun signe de capacité magique. Bois Noir tomba en quelques jours. L'empereur décapité, la purge commença. La reine de l'ombre détruisit tout ce que le monde comportait de magique, brûlant les grimoires, rasant nos châteaux, jusqu'à ce que les damnés, alors renommés fils d'Adam, avaient dans le creux de leur vice la terre entière. Ils façonnèrent l'histoire à leur image, une histoire de guerre, de haine et de religion, créant alors la plus grande civilisation que le monde n'eût jamais connue, l'humanité. Madame la Présidente, la réunion va commencer. Mais, en dépit de ce qu'elle aurait voulu, jamais en ce monde, la magie n'avait disparu.